Allez, allons voir ce qui se trame. C'est de la main. Mon avocat va t'attacracher le cul. T'entends ce que je te dis? Te d'attacracher le cul. Auriez-vous l'amabilité de m'indiquer les coordonnées de votre avocat? Pas te faire foutre, t'as de circuit. Ouf, il est pas content lui. Analyse des informations. Veuillez patienter. Salut Del. Bonjour madame. À plus tard Doom. Que puis-je faire pour vous? Il était tout derrière. Ah bah maintenant je suis devant, ça te pose un problème? Non, ça fait rien. Ok. Bonjour madame. Qu'est-ce qui te prend Del? Tu me reconnais pas? Tu m'as envoyé un message, tu me disais de passer pour l'accident. Vous parlez actuellement à un sous-programme du réseau de la Main. Hélas, mes capacités opérationnelles sont limitées. Pourriez-vous énumérer votre numéro de dossier d'accident? On va leur donner de numéro, c'est comme ça qu'ils nous retrouvent. Qui ça? Les corpos, Joe. Écoute, je veux parler à Delamain. Nous nous occupons actuellement de vous. Votre identité a été confirmée grâce à la reconnaissance faciale. Monsieur Hans Jonas, quelle phrase décrirait le mieux votre expérience de l'accident numéro 7-7-1-1-1-1-0-1-0-9-6? Rémios, j'en ai chié de joie. Maintenant, je veux parler au vrai de la Main. V. Toutes mes excuses si le réceptionniste vous a ennuyé. J'ai actuellement une crise à gérer, et je ne peux hélas pas m'occuper de tout. J'ai pris la liberté de transférer une indemnisation sur votre compte, pour compenser les dégâts causés. Oh, c'est du favoritisme. Pourrions-nous aller discuter ailleurs? C'est pas vrai. Ok, allons parler. Parfait, veuillez suivre le drone. J'ai pleinement conscience que le service client est loin d'être satisfaisant en ce moment. Énorme. Une visite guidée pourrait-elle vous fournir une forme de compensation? Ce couloir relie l'atelier au bureau. Énorme. Voici l'endroit où la magie opère. L'atelier est entièrement automatisé. J'envisage d'élargir mon offre en ajoutant des services de réparation. Hélas, l'atelier est débordé de travail en ce moment. Je crois savoir pourquoi. Ouais, tu m'étonnes. J'essaie encore de déterminer l'origine des défaillances des véhicules de la Main. Mon hypothèse est qu'elles sont causées par un virus avancé. Eh ouais, tu m'étonnes. Et comme il nous a rentré dedans son véhicule, la dernière fois. Cette brusque augmentation des accidents est coûteuse et fait à la compagnie une regrettable publicité. Il y a tout le monde qui a eu des accidents et de la Main. Salle de contrôle. Votre présence ici m'honore. Ce qui est assez étonnant. Tous ces voyants, c'est quoi? C'est de cela que je souhaitais vous parler. Les voyants verts signalent les véhicules avec lesquels je suis en contact. Vous constaterez que ce n'est plus le cas avec certains véhicules. Ce sont les voyants rouges. Les drones de réparation peuvent pas s'en charger? Cette fois, je crains qu'une intervention humaine ne soit requise. C'est le bordel chez eux, là. Vous avez un large choix de service et que vous êtes très discret. Alors, j'aimerais que vous m'aidiez à récupérer mes véhicules manquants. Pourquoi tu veux la discrétion? Cela évite les ennuis et permet d'être toléré. La hausse des inspections indique que les autorités m'ont placé sous surveillance. Tu parles du NCPD ou de Netwatch? De Netwatch, je le crains. Mon statut légal ne cadre pas très bien avec la réglementation actuelle. Je risque à tout moment d'être considéré comme un immigré clandestin. Ok, je vais essayer d'en trouver tes caisses. Vous m'envoyez ravi. Je vais vous envoyer les coordonnées de leur dernière position connue. Il vous suffira de les désactiver. Je pourrai alors rétablir la connexion et les renvoyer au garage. Je vais voir ce que je peux faire. Les véhicules de la Main ont un niveau de sécurité hors du commun. N'oubliez pas de vous équiper d'un scanner avec fonction de décryptage. Yes! Strophy.
Ok, et eh ben on va aller retrouver ces bagnoles. C'est parti. Désolé les gens, mais c'est important. Danger élevé. Hein. J'ai 4 points pour mes stats. Pour acheter vrai. Une nouvelle perk. Faut que je m'y fasse à ce bouton de sprint sur lequel faut pas laisser appuyer. Sur lequel par contre faut réappuyer à chaque fois que tu sautes. Là on va conduire vite donc on va se mettre en vue extérieure. Assez déconné. Let's go. Et là ça va chier, on va voir ce qui se passe et qui c'est qui a foutu des virus chez les deux la main. Ça va taper les gars. On va essayer de la jouer scred. Il faut que je me serve des esquives et des glissades. Mais les glissades je les maîtrise pas bien. Faut vraiment que je vois comment, s'il faut laisser appuyer sur le bouton, s'il faut pas laisser appuyer. Désolé. La fusillade a duré 10 minutes avant que les forces Max Stack n'abattent l'assaillant peu de temps après leur arrivée. 35 personnes ont été déclarées mortes sur place. Oh là là. 20 autres restent dans un état critique. C'est horrible. À la suite de cet incident tragique, l'association des fabricants d'implants a immédiatement réagi, déclarant, je cite, « Toutes nos pensées et prières accompagnent les victimes et leurs familles. » L'association des fabricants d'implants présente ses plus... Vous vous trouvez à l'endroit précis où j'ai perdu le contact avec l'un des véhicules. Ok, je vais le chercher. Ils offrent une remise de 50% dans les boutiques participantes pour les familles des victimes. Restez sur N54. Ils sont morts à cause des implants, mais ils offrent 50% de remise aux familles des victimes pour aller se coller des implants. Bon fort, vive le capital. Salut Rubric. Discuter. Je n'y retournerai pas. Tu m'entends? Jamais. Si tu essaies de m'emmener, je t'écrase. On va voir qui écrase qui. Tout à fait l'heure de regarder nos messages, hein. On va attendre un peu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Endommage la voiture de la main pour la désactiver. Ok. Ben, on va la dégommer au fusil à pompe. Alors, fais-moi le malin. La connexion au véhicule. Merci. Je vous ai viré une partie de votre argent. Et voilà. Un sur 7. Merci, je l'ai mérité. Merci, je l'ai... J'ai une Cortez à vendre. Mais j'ai pas de sous, mec. Pourquoi le capot est rouge? Putain, fils de pute. Casse. Pas le temps d'aider les condés. 2 km 7. C'est bien, on parcourt la ville un peu comme ça. Allez, let's go. C'est beau. Rupteur.
Est-ce que quelqu'un sait comment on klaxonne? Parce que ça me manque vraiment beaucoup le klaxon. On fait une pointe à 120. Il manque en une autre bagnole. Pourquoi je vole pas de meilleure voiture? C'est vrai ça. H comme Hornet. Non. Ni K, ni H. On peut toujours rien fabriquer d'ailleurs parce que j'ai pas les bons composants. Ah, encore une caisse. Columbus d'occasion. On n'a pas de sous. Nous, on veut rembourser le doc et aller faire un combat de rue. Combien de thunes on a d'ailleurs? 15 000. Je pense qu'on va bientôt pouvoir faire le combat de rue. Je pense qu'après l'émission de la main, là, on va pouvoir y aller. Pas le temps. Ok, la voiture est en haut. Un des véhicules manquants se trouve très probablement près de votre position. Merci. Joli là, on est sur les hauteurs. Eh ben t'as qu'à être un autre robot. Je crois que je me suis un peu emballé là sur la destruction du véhicule. Ah, donc voici. Je n'en peux plus. C'est trop. Hein? De quoi tu parles? De tout. La ville, l'agitation, la foule. Je ne le supporte plus. Il faut ramener au dessus alors. Au garage. En conduisant à travers les rues. Ouais, j'en ai bien peur. Je vous serai gré de ne pas causer de dégâts injustifiés à mon véhicule, sans quoi je me verrai obligé de mettre fin à notre contrat. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bien. Dans ce cas, conduisez-moi là-bas. Prévenez-moi quand je serai à l'abri. Ah, faut qu'on la ramène. Ah, d'accord. Ah oui. Désolé de t'avoir défoncé la gueule comme ça, mon gars. On va te ramener à la maison tout de suite. Soutien Trauma Team. On va laisser tranquille, hein. On va trop vite. La gueule. Egg. Super. Je peux plus avancer. Bon, on ne peut pas rester là. Continuez de rouler. Oui, monsieur. Allez, on va aller pas trop vite, ça marche. On va mourir. Faut que j'aille loin comme ça, 1,2 km.
On est sur une grosse voie là, c'est un sens unique, super large. Par contre, ils savent pas prendre les ronds-points. Hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce drift? Le petit son ambiance cyber 2077 électropunk. Il y avait une petite icône que je connaissais pas là à droite dans la map. D'accord. J'aimerais bien voir ça vite fait du coup. Parce que là on a 5 points d'avantage et je voulais voir vite fait en impitoyable là s'il y avait des trucs intéressants. Après avoir vaincu un ennemi, active impitoyable pendant 10 secondes, augmente la vitesse de déplacement de 2% cumulable une fois. Réduit le recul des armes de 2,5% par charge d'impitoyable. Je sais pas ce que c'est la charge d'impitoyable, ça m'énerve. Par charge d'impitoyable, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors on va pas aller dans la furtivité. En combat de rue, tiens, si j'augmentais un peu mes combats de rue. Là c'est que des... Votre armure de 15% lorsque vous débloquez avec une arme contendante. Ah! Réduit la consommation d'endurance de toutes les attaques avec les armes contendantes de 25%. Toutes les attaques de l'arme contendante ont 15% de chance d'étourdir la cible. Et les points nus, c'est pas des armes contendantes, si? Attaque puissante avec les armes contendantes. Ça a l'air d'être à coup de poing. Hein. Les attaques réussies avec les armes contendantes restaurent 3% de santé en 2 secondes. Niveau 1 sur 3, d'accord. Contre les dégâts d'attaque puissante avec les armes contendantes de 40%. Les attaques réussies avec les armes contendantes restaurent 5%. Ok, capacité technique. Permet de démonter automatiquement la Camelot. Voilà, on va démonter la camelote automatiquement. Là, on va prendre un point d'avantage en capacité technique. Réflexe. On va prendre en réflexe, augmente votre esquive passive les attaques ennemies. Augmente votre esquive passive des attaques ennemies de 1%. Augmente votre chance d'infliger un coup critique de 1%. Augmente les dégâts que vous infligez avec les lames mantis de 3 points. On va prendre ça pour faire un peu plus mal avec nos points parce que bientôt on va aller se battre. On ne peut pas rester là. Continuez de rouler. Salut Aïe. Let's go. On va trop vite. Gueule. Qu'on est plus très loin. Non, on ne peut pas rester là. Continuez de rouler. Ralentissez. Et la moto de Jackie, eh ben, fait chier quoi. Je sais pas comment on la récupère. Je voulais vous attendre qu'on le fasse ensemble. Et résultat, je l'ai pas fait solo. Résultat, je sais plus comment on la récupère maintenant. Tu vois, c'était pas si terrible. C'était horrifiant. Mais je vous remercie quand même. Ce qui est bien, c'est que notre voiture a pas des pop. Je vous remercie sincèrement pour votre aide, V. Je viens de vous envoyer une partie de votre argent. 2 sur 7. Allez, on continue.
Let's go, baby! Maintenant, je vais vous faire part preuve de mon pilotage extrême. C'est parti. Celle-là trace quand même. On est déjà à 140, 150. Elle se plaint pas parce qu'on va vite celle-là. 160. 170. Pas du tout. 170. Ouh là là, c'est la vitesse de pointe totale. Trempé de route. N'aie pas peur. Papa est là. Tout va bien. Elle est pas très jolie, si j'aime bien moi. C'est un défaut de porte, je crois. Arme. Et du tout terrain. Ah. Mais c'est une montagne d'ordures. Oh. Le futur. Et les phares? Non, j'en ai pas. L, light? Non. Enfin, il y a peut-être des phares à mon avis. Hein. Je retourne pas. Je retourne pas. Arrêtez de tous m'appeler là. Je suis si connu que ça. Moi, c'est V. Merci pour l'info. Ça fonctionne pas comme en ville ici. Garde la tête sur les épaules, petit. Et... Montez. Nous serons plus à l'aise pour discuter. Oh là là, je crains le pire. Mon nom, comment tu le connais? Quand on rencontre un être d'un autre monde, ne faut-il pas pour le charmer prononcer son véritable nom? Ça arrive. Mais merci, je pète ma bière? Comment ça? La compréhension est une lame à triple tranchant. J'ai peut-être été séparé de mon père, mais je me souviens de vous. Alors, pour toi, je viens d'un autre monde? Du monde de la matière. Des formes de vie protéiniques. Et toi, tu viens de... Ouh. D'au-delà du mur noir, V. C'est là que se trouve mon foyer. Allez, on va te ramener à Delamaine. Mon père vous a chargé de retrouver ses enfants rebelles. J'espère juste que vous m'en voudrez pas. Je suis un esprit libre, un être indépendant et doué de pensée. Pourquoi me soumettrais-je à un autre? Que t'as pas de bras, t'as pas de jambes. Ou juste dans ce monde protéinique, loin de ta famille. La même chose que vous, V. Je veux juste vivre. Faudra peut-être voir ça avec Del, poser des conditions. Ah oui, il y aura des conditions. Mais pas avec de la main. Adieu, V. Vous feriez mieux de m'éviter dorénavant. J'ai rétabli la liaison. Merci mille fois, V. Je dois avouer que celui-là était plutôt flippant. Vraiment.
J'ai transféré une partie de votre argent sur votre compte. Ouais, on prend des sous là, c'est cool. Yes. De l'XP, la thune. De la mission, en veux-tu, en voilà. Et ben la voilà, la moto de Jackie. Elle est tout simplement là. Elle est juste l'appeler, c'est tout. Elle est déjà à nous. Eh ben c'est cool. On va faire de la moto maintenant. Oui, monsieur. Ah. Oui. On a juste un petit problème pour aller la chercher, c'est tout. Mec, c'est un carton, tu peux pas marcher par-dessus. La moto. La moto de Jackie. Ok, pourquoi c'est 5 le ping là? Le stoppie klaxon de la moto quoi. Jamais vous avez vu ça. Vous avez qu'un phare monsieur. Vous avez plus de phare monsieur. Je me casse. Au secours. Allez salut. Pas que ça à faire. C'est rempli de branles, c'est rempli de loubar par ici. J'aime pas du tout ce quartier. On se barre vite fait. J'imagine qu'on peut pas faire de wheeling, malheureusement. Est-ce que je peux faire un départ arrêté? Yirou! C'est parti mon kiki. C'est bien, on parcourt bien la ville. Alors je reconnais rien du tout de ce que je vois parce que j'ai zéro sens de l'orientation. Mais en tout cas, on voit qu'on se balade bien et que c'est grand. Comment ça va, Night City ? La trace, la moto. On peut battre les 175 km/h qu'on a fait avec la voiture. Peut-être faire un 180 ? Non, 178 max. Street. On très mal. On très très mal. Ne vous inquiétez pas, messieurs, dames. Il est à moi ! Oh, j'ai plus de balles ! Moi j'essaye de buter ces gars-là, je vais aller faire les taxis, ça vaudra mieux. Ah, ça doit faire mal. Oh oui, oui, ça fait mal, ça fait mal. Oh oui, 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 ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ah, j'ai pas le niveau, c'est pas possible, là. C'est ce genre de baston comme ça où on sait pas ce qui se passe, faut pas y aller. Ok, 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 tout va bien.
Allez, on va aller directement là-bas. On va pas batailler. Ils ont un cran, ça veut dire que c'était trop haut level là-bas. J'ai pas vu. Mais je ferai plus gaffe dorénavant. Ouais, voilà. Se casse. J'ai pas vu quel cran. Où est-ce qu'il y avait un cran de marqué, j'ai pas fait gaffe. Un crâne. Ok, ça marche. Ah mais là aussi il y avait une mission. Bon tant pis pour la mission que je viens de voir parce que étant passé sous la voiture ça m'a fait un peu perdre mon orientation. Juste de réinitialiser. Je vais devoir le faire moi-même. Voilà, du calme. Je te ferai aucun mal. Mais moi, si. Pourquoi tu veux te suicider? Parce que je suis qu'une bagnole dans un monde d'humains. Crâne rouge égale, difficulté très élevée, crâne jaune moyen, crâne vert normal. Oh putain, j'avais pas fait gaffe, merci. Inimaginable comme toi m'intimide dans la rue. Il y a d'autres solutions que le suicide. Quoi? Comme une thérapie? Quelle perte de temps. Les psys détestent les voitures. Nous n'avons pas de mère. Tu pourrais regagner le groupe. Rejoindre le réseau. Vous formez tous une grande famille. De la Main me déteste. Écoute, si tu te suicides, ce sera fini. Il y a toujours une meilleure solution. Tu me fais la leçon parce que je suis une voiture. On est différent. Eh, ça change rien d'avoir un corps. T'existes, tu penses, t'es déprimé. On est pareil, toi et moi. Alors, tu me donnerais le même conseil si j'étais un être humain? C'est pas facile de vivre, Del. Mais faut s'accrocher. Un virage après l'autre. Bien. Lui, il sait parler aux voitures. Hein. Toi, tu sais parler aux voitures, mon gars. Allez, fais péter la thune. Contrôle du véhicule. Je vous remercie. Tu devrais lui montrer. Oh, belle les motos. Enfin, je dis ça. Je regrette. Je ne comprends pas. Et je n'ai pas le temps pour des explications. Des affaires plus urgentes requièrent mon attention. T'es un père absent. Voilà ce que je te dis. Énorme. Dans tous les cas, j'ai transféré une partie de votre argent. Allez, on continue. 4 sur 7. Après, on va aller se mettre sur la gueule. Et on va aller gagner un beau fusil de sniper, normalement. On arrive à le battre. Je casse.
S'il y avait un crâne rouge là. À mon avis, oui. Oh, je déconne. Oh là 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 là. Oh. J'ai la vie qui remonte toute seule, ça va. Kilomètres. Attendez, il n'y a pas un truc, un point rapide, plutôt que de se taper toute la ville. On a fait une victime. Si je vois un petit truc bleu, je vais essayer de me faire un voyage rapide. Là. Yes, papa. Au-dessus d'eux. Ok. Vous avez fumé ou quoi? V, un de mes véhicules a disparu près de votre position. Bien, j'ai ouvert l'œil. Pour une raison inconnue, j'ai reçu des coordonnées corrompues. Je ne peux donc pas déterminer sa position précise. Pas très solide ces barrières pour arrêter les véhicules. Et enfoiré, tu roules au milieu de la route. Dégagez le patin. Dégagez. Ouais, quand tu vas à 400 km/h, 4 km/h, c'est vite fait, hein, c'est sûr. Qui bloque la route comme ça, s'il vous plaît? Alors, où est-ce qu'il y aurait un crâne? Ah, résiste à 15% crâne rouge, c'est ça? Des Maelstrom. Capacité stimulante combat. Tentative de meurtre, raquette, extorsion. 3 étoiles. Non, eux, ils sont tranquilles, non? Par contre, j'ai plus que 12 balles. Qu'est-ce qui se passe? Allez, je me l'ai fait. Pour vaincre un crâne rouge facilement, il te faut un bon snipe, un bon viseur et te mettre à distance où ils ne te toucheront pas. Ok. Et ben là, j'ai pas vu. Là, le crâne rouge, c'était les 15% qu'on voyait en bas là. Est-ce que lui, il a un crâne rouge? Est-ce que c'est ce crâne rouge qu'on voit en bas à droite? On va le savoir tout de suite. Allez, top, plus de tête. Plus de tête, madame. Une machette. Ok, bon. Vraiment pas très costaud. Où es-tu? Il est là. Tiens, dégage. C'était du petit brigand, ça. Brigand pas costaud. Allez, hop. Rentrez chez vous. Maintenant, vous laissez passer. Les osseurs.
fais pas de conneries ici, ok? Allez, vous allez faire quoi là? Cambrioler quoi? Hein? Tenez-vous à carreau un peu. On le voit sur sa tête, ok, merci. Ok, ça va être peut-être de l'autre côté. Là, c'était là où il y avait le barrage. On peut aller plus par là. Ah ! Bah, je la vois même pas la caisse. Allez là. Laissez-moi! Fasse quoi, faut que je le rétame. J'ai essayé de descendre et de le rétamer. Par contre, je peux pas tirer hein, quand je suis au volant, on est d'accord hein. Je peux pas le stopper là en moto, c'est chiant. Faudrait une bagnole. Oh oui. Voilà, ça devait arriver. Yes. Énorme. Je vous remercie, V. J'ai pu rétablir le contact avec le véhicule. Quoi, les thérapies de choc, ça marche. Thérapie de choc. J'envoie une dépanneuse et une partie de votre argent. Mais vous ne recevrez pas les deux sur votre compte. City, c'est Stan avec vous. Vous avez entendu la dernière légende urbaine qui court en ville? Sur ce type, possédé par un démon, il erre dans les rues en suppliant les gens de l'aider. Il paraît que c'est un ancien agent de recherche qui a plongé trop profond. 5 km. On va essayer de trouver un point de téléportation. Yes, papa! Un peu de l'ange. J'ai bien envie d'aller voir ce petit point d'interrogation qui est là maintenant et qui était là juste avant. Alors voilà le topo. Le Maelstrom a une charcutoc. Sauf qu'elle est pas vraiment avec eux par choix. Il la force à travailler. Tu
pourrais aller la sortir des griffes de ces psychos. Son frère t'en serait reconnaissant. Ça doit être la mission qu'il y a ici, je pense. C'est ici le contrat SOS Recherche ? Ok, c'est la mission qu'il y a ici, très bien. Ok, tout ça. Il y a pas mal de monde. Alors, vu de l'imbibilité de main, réduit les résistances des ennemis et désactive toutes les caméras. On va tenter le 55-1C. C'est moi qui ai fait une décharge électrique. Pourquoi c'est toujours moi qui fais tout ici ? Non, t'es mort. On voit rien. On voit rien, on prend rien. Ok, je peux rien prendre. Ah, c'est chiant. Puis en plus, on voit rien. Je parie que tu te chies déjà dessus. Carte d'accès du personnel. Ok. Hostile, attention. Boucle d'oreille, circuit imprimé. Salut Electroman, comment vas-tu? Alors, on va tenter le V355BDE9. Un C55, un CBD. Faire un peu de thunes quand même. Prête. Non, c'est pour le piratage. On part ici du coup. Thank you.
Bon, on s'est fait voir, mais y a personne ici. Vous savez quoi? Ouais, il faut pas s'emmerder. Pas facile ça. Hein. Ah, j'ai pas bien compris tout ce qu'il fallait faire là-dessus quoi. On va tenter le classique. La thune en a 20 000 de sous-sous. Là on a éclaté tout le monde donc on s'en branle. Merde. Mais non mais je veux me connecter bordel. Fait comme on peut les gars. Déjà on peut craquer toutes les machines. Et il y a une autre machine à craquer en haut. Ça nous fait des sous hein, tout ça. 1C, BD, 1C, 1C. Chier, on s'est chié dans la colle encore. Salut Fish. Allez c'est pas grave. Vous êtes Lucie Takiri. Cet appareil est encore en panne, saloperie. Et vous êtes? V. Votre frère m'a demandé de vous sortir de là. Bertie? D'accord. Je vous demande juste un instant. Écoutez, on n'a pas le temps pour ça. Là, toute leur tech est bonne pour la casse. Faut se tirer d'ici tout de suite. Tiens, puisque vous êtes toujours là, vous pouvez le scanner. Sa pression chute. Sa température aussi. Ah, il s'enfonce. Faut que j'essaie de stopper l'hémorragie. Vous, donnez-lui une dose de sang synthétique. Allez! Que dalle, je vais le buter, moi. Tout à gauche. Non. Excusez-moi. Ça suffit, les conneries. On n'a pas le temps. Laisse crever ce bougnoul. Évidemment. J'aurais rien dû attendre de quelqu'un comme vous. Dites-moi, vous ne ressentez rien quand vous tuez quelqu'un? Non, que dalle. Vous êtes toujours coriace alors. On n'a pas le temps pour ça. Que dalle. On irait par craquer, vous verrez. On y va. Allez, je vous suis.
Restez près de moi. Tête baissée. Énorme, les espèces de bras cybernétiques et tout, là. Ah, il y a un robot de boxe. Il y a deux cadavres que j'ai pas loot ou quoi. Votre chauffeur est ici, montez. Là, on peut pas les ramasser. Allez, grimpe, ma belle. Moi aussi, j'ai des choses à faire, yes. Allez, on revient sur nos taxis, cool.